notre âge, ça veut dire 13 ans. C'était quoi vos rêves? Est-ce que c'était lié au sport? C'est une question assez... Pour moi, si, oui, parce que le sport m'a permis aussi de pouvoir me sauver aussi, parce que bon, c'est vrai que l'école, ça ne me disait pas trop, mais voilà, bon, bah, ça m'a donné aussi une obsession aussi d'arriver à me battre. Et donc, le fait de faire du sport en forme de jeu, bah, ça me permet aussi de me dépasser en moi et passer aussi, on me rend compte aussi qu'il faut du travail aussi. Et là, le fait de pouvoir à chaque fois passer ces étapes-là, ça me permet aussi de pouvoir me libérer et de pouvoir réaliser aussi mon rêve de champion. Pour moi, je reviens toujours parce que moi j'ai grandi en Algérie, donc à 13 ans, là où j'ai commencé la course à pied, c'était une période très difficile, donc c'était la décennie noire, c'était l'année où c'était les années où il y avait le terrorisme en Algérie, où le terrorisme avait commencé. Donc l'athlétisme pour moi, sûrement c'était une échappatoire, et mais aussi il fallait être bonne dans mes études, parce que sinon mes parents ne m'auraient pas laissé, faire du sport si j'étais pas appliquée aussi dans mes études. Donc le sport, c'était une échappatoire et c'était l'espoir, en fait, l'espoir dans le chaos. Voilà. L'endurance. D'accord. Et en dehors de la course à pied, avez-vous d'autres passions dans votre vie? Moi, ma passion, c'est les études. J'ai 40 ans, mais si je pouvais être étudiante toute ma vie, je reste à la fac. Mais donc j'ai repris un peu mes études. Moi, je suis militaire de fonction. Et il y a 2 ans, j'ai repris mes études justement pour pouvoir, en pensant à une deuxième carrière. Donc, je sais que la carrière sportive n'est pas éternelle. Donc je voulais un peu, m'offrir une deuxième carrière professionnelle plus brillante. Voilà, donc je fais des études, je suis en master maintenant et j'ai beaucoup beaucoup de travail. Ah oui. Je ne chante pas. Moi j'aime bien aller au cinéma, tout ce qui est film et tout ça, donc je regarde pas mal de Netflix et tout ça, donc ouais, j'aime bien d'autres bouquins, mais voilà, sinon. Vraiment, c'est le plus important aussi, c'est de pouvoir penser aussi à la fin de carrière. Moi, mon temps vide maintenant, c'est ma fille. Voilà. Ma fille de 6 ans, ma petite Jade. Donc, Et pourriez-vous donner quelques conseils pour les personnes qui voudraient commencer à courir, ou vers des personnes jeunes aussi, qui voudraient commencer à courir? Bah, c'est d'aller... prudemment, c'est surtout ça, c'est de pas pouvoir manger trop de kilomètres, pour dire ah j'ai mal un peu au dos, j'ai mal un peu au genou, non, c'est vraiment commencer les étapes, c'est de faire voilà, 1 ou 2 minutes de course, 1 ou 2 minutes de marche, et ainsi de suite. Et après petit à petit, au fur et à mesure, de commencer à courir sur 20 minutes et 30 minutes et ainsi de suite. Et d'avoir vraiment aussi une bonne hygiène de vie, c'est important aussi, hein. C'est pas beaucoup d'eau et... Le sport, moi maintenant, enfin, si j'avais votre âge un jour, donc le sport, c'est l'école, pour moi, c'est l'école de la vie. Quand ça n'allait pas à l'école, c'est le sport qui me permettait de me relever, de me fixer, qui me donnait de l'espoir, et vice-versa, quand ça n'allait pas dans mes études, c'est le sport qui me donnait cet espoir-là. Voilà, oui, quand ça n'allait pas dans le sport, c'était les études qui me donnaient cet espoir-là. Donc, oui, le sport, c'est la vie, que ce soit la course à pied ou un autre, c'est le pratiquer, même si ce n'est pas à haut niveau, ça nous aide toujours. Ça nous aide, si on n'a pas d'amis à l'école, on les aura en sport, et voilà, on apprend tellement de choses avec d'autres personnes, il y a eu tellement d'échanges, tellement de voyages enrichissants que foncez. Ouais, il faut tenir, donc il faut rien lâcher, la persévérance, c'est surtout ça. Voilà. Surtout la motivation pour les jeunes personnes, c'est pas facile toujours de se motiver.
Donc c'est plutôt aussi par rapport à ça que... C'est l'endurance au quotidien, c'est les entraînements. Ça forge. Je ne vous dis pas que j'étais comme ça à 13 ans, mais ça forge un caractère, ça forge un mental. On a fini par acquérir des principes qui nous aident, mais partout dans la vie, quoi. Pas que dans le sport. Le sport, c'est une école de la vie, vraiment, c'est l'école de la vie. C'est le sport. On arrive grâce au sport à se forger un mental. Ce mental, on le gardera partout, en fait. Si on se bat dans le sport, on se battra dans la vie, dans les études, dans n'importe quelle situation difficile.